C'est encore moi. Mais si vous avez, si vous voulez, vous avez la version live encore en colombier cet après-midi. Je refais une vidéo là pour me faire plaisir, hein, parce que c'est important. Enfin, c'est pas que les vidéos d'avant, je me faisais pas plaisir, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, c'est ma fête, je vous signale, c'est la Saint-Françoise, donc je me la pète un petit peu. Voilà. Et il se trouve qu'hier soir, je suis allée à un concert d'Amélie Les Crayons. Et j'ai acheté son dernier disque là. J'aurais bien aimé, en fait, réécouter le disque avant de faire la vidéo, mais il se trouve que mon matériel pour passer le laser est resté au colombier. Donc cet après-midi, si vous voulez écouter Amélie Les Crayons, le disque d'Amélie Les Crayons, pour voir si ça vaut le coup ou pas, je vous recommande de venir voir mon exposition en même temps. Tant qu'à faire. Mais, comment dire, ne pas avoir... quand je travaille sur quelque chose de difficile ou de politique ou de compliqué, généralement je préfère travailler à l'écrit d'abord parce que ça permet de mettre à plat ses idées et quelquefois d'ailleurs le fait d'écrire, enfin c'est pas quelquefois, c'est toujours comme ça, quand c'est quelque chose de difficile, le fait de travailler à l'écrit permet de délier et de mieux faire fonctionner son cerveau pour trouver des explications ou trouver des développements qui deviennent plus difficiles à faire quelquefois, enfin souvent même à l'oral. Mais là, bon, c'est vraiment de plaisir dont il est question, donc je suis beaucoup plus comment dire, je me fie à mon ressenti uniquement et puis c'est tout. C'est vrai que je vais pas souvent en concert parce que j'en ai pas les moyens tout simplement. Mais il se trouve que là j'étais invitée par la ville. Alors, c'est pas une fleur particulière qu'on m'a faite à moi, c'est juste que je suis quelqu'un de très fidèle et que donc, comme j'avais un abonnement, enfin, je sais plus comment ça se passe exactement, mais donc c'était offert au bout d'un certain nombre de concerts. Donc, j'ai passé une soirée, mais de ouf. Elle a un sens de l'humour. Alors, déjà que je vous l'explique, en fait, je connaissais pas Amélie Les Crayons. Je ne connaissais que de nom. Mais déjà, je considère, bon, elle porte le prénom d'une de mes filles. Déjà, pour commencer. Déjà, là, c'est un symptôme. Hein. C'est un symptôme en soi. Bon, ensuite, Amélie Les Crayons, le fait de s'appeler comme ça quand on est chanteuse, c'est quelque chose qui, moi, ne peut que m'interpeller à la base. Mais il se trouve qu'il y a une quinzaine d'années, en plus, je tombe sur une de ses pochettes. Et là, que vois-je? Un piano à queue, avec planté dedans, plein de coquelicots. Alors, en soi, si vous voulez, quand on voit ça, je dis, mais nom de Dieu. En fait, quand on voit ça, on se dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Vous me direz, j'ai pas de piano, je fais pas de musique, je fais pas de disque, quoi que ce soit. Mais ne serait-ce que pour l'image, peindre un piano avec des coquelicots dedans, je veux dire, par définition, ça ne pouvait que m'interpeller, quoi. Et puis, je pense que j'ai dû, je suis allée voir occasionnellement, pas récemment particulièrement, mais je suis allée écouter certains trucs, j'ai trouvé ça vraiment super bien, quoi. Bref, c'est tout. Donc, je savais que c'était super bien, je savais que ça me plairait, mais je connaissais pas du tout, quoi. Donc, hier soir, j'ai vraiment découvert. Mais nous avons passé une soirée de dingue, quoi. Comment dire, un brin fêlé, quand même, hein. Vous direz, ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle pour qu'elle l'adopte comme ça, mais... La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis nécessairement fan de quelqu'un au prétexte qu'il est un peu fêlé? C'est une question qu'on ne m'a pas encore posée, mais qu'il serait bon de me poser, effectivement. Je ne sais plus de qui est cette citation qui dit « L'avantage avec les gens fêlés, c'est qu'ils laissent passer la lumière. » Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai plein d'autres. L'expression être fêlé en soi est quelque chose d'extrêmement interpellant philosophiquement et intellectuellement. C'est quelque chose de tout à fait qui mérite bien plus que quelques paroles comme ça sur une vidéo sur laquelle je reviendrai. Mais comment vous dire? Elle a des origines bretonnes et. Je me posais la question en écoutant le concert, je me suis dit, mais est-ce que c'est elle qui compose ça? Parce que j'ai trouvé, bon, les textes sont d'une qualité dingue, quoi, déjà pour commencer. Et puis au niveau composition, c'est dément, quoi. Parce qu'en fait, elle s'inspire complètement du folklore breton,
mais aussi de consonances complètement orientales. Sur le plan visuel, c'est juste somptueux, sans être. Parce que vous avez des gens qui ont des mises en scène sur scène magnifiques, mais qui ont des moyens mis sur pied juste énormes, quoi, si vous voulez. C'est un peu dans le sens le char d'assaut, quoi, hein, pour en foutre plein la gueule, grosso modo. Là, c'est pas du tout ça, quoi, justement. C'est au contraire très acoustique, au point qu'il n'y a aucun. Évidemment, les instruments acoustiques sont. Le son des instruments acoustiques est amplifié par le micro, mais il n'y a pas de guitare électrique, quoi, ça, je veux dire. Et en fait, il y a. J'ai cru entendre une scie musicale d'ailleurs à un moment, mais je suis pas sûre parce qu'en fait le son était travaillé, je sais pas comment. Moi, je suis pas spécialiste du tout. Hein. Ça m'est arrivé d'écrire quelques mélodies, mais c'est tout, et quelques chansons, mais c'est tout. Donc, je suis pas du tout, comment dire, spécialiste du truc. Simplement, je perçois les choses, quoi, et j'ai perçu des choses dingues, quoi. On en revient au fait d'être fêlé, hein, décidément. Mais c'est même au niveau de la composition, je trouve c'est vraiment d'une qualité absolument incroyable, quoi. Donc allié évidemment à des textes extra, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs parce que du coup j'ai pas du tout pris le temps parce que mon matériel est pas, je l'ai pas sous la main donc j'ai pas pu réécouter le disque. Je vais l'écouter cet après-midi au Colombier donc. Mais j'ai notamment été vraiment interpellée par une chanson qui parle d'une femme qui est juste complètement dingue et complètement, enfin dingue, une super nana, quoi, une super woman qui abattrait des montagnes et qui est comme ça, toute petite, toute menue, et qu'on a l'impression qu'elle va tomber d'un rien, alors qu'en fait, c'est un char d'assaut, quoi. Et j'ai trouvé ça tellement interpellant et intelligent, parce que justement, moi, je suis en train d'écrire un livre sur l'apparence, la chirurgie esthétique, le rapport qu'on a à l'image de soi, etc. Bon, moi, par exemple, je vais vous dire, je fais 105 kilos. Hein. C'est quand même un peu trop à mon goût, même si je prêche pour s'aimer tel qu'on est, mais il se trouve que aucun médecin ne me dit, vous devriez maigrir un peu. Personne. C'est assez marrant. Moi, j'aimerais bien perdre 10 kilos en fait parce que j'ai des très mauvaises jambes et pour mes jambes, ce serait préférable. Mais bon, c'est un autre problème. Mais bon, toujours est-il que j'écris sur ce sujet et je me faisais la réflexion justement que culturellement, il est quand même souvent admis qu'après la ménopause, c'est vrai qu'on a tendance à se s'ankyloser un petit peu quand même. Et il est quand même plus facilement accepté quand on avance dans l'âge d'avoir quelques dizaines de kilos en trop, et notamment le côté mama, quoi, hein, comme la chanson de Morane, en fait. Hein. Je suis trop forte, la chanson, je suis trop forte. Il est souvent admis que les nanas qu'on abatte, quoi, elles assument leurs kilos en trop, et puis donc on s'accommode assez plus facilement, je dirais, de certaines rondeurs, quoi, hein, et puis du côté un peu char d'assaut. Et là, justement, cette chanson va justement à l'encontre. Par cette silhouette frêle dont elle parle de façon aussi intelligente dans cette chanson. Alors, je ne sais pas de quelle chanson il s'agit. Elle doit être dans le disque, je pense. Je n'ai pas regardé encore. Je vais écouter ça et puis je reviendrai dessus peut-être. Mais j'ai trouvé ça incroyable, quoi. J'ai trouvé ça incroyable. Alors, en plus, évidemment, elle a un humour très subtil. D'une certaine façon, elle me rappelle un petit peu dans son type d'humour, jouant bien avec les silences, il y a des petits côtés Jeanne Chéral un petit peu dans son type d'humour. Hein. J'ai trouvé ça assez marrant. Alors, elle fait monter un couple sur scène, elle les fait danser. Enfin, j'ai trouvé ça super, quoi. Super. Tout le monde était debout, tout le monde se marrait, tout le monde tapait des mains, tout le monde dansait, tout le monde. Elle est bien barrée quand même. Elle est bien barrée et ça fait un bien. Il faut absolument aller la voir et acheter son disque. Alors j'ai beaucoup aimé la réflexion parce qu'elle est venue après le concert. Ils vendent le disque après le concert. Et donc j'ai posé la question au petit monsieur monsieur qui vendait les disques. Et puis je lui ai dit, je voudrais juste simplement savoir. Je lui ai dit, quand on va voir quelqu'un et qu'on achète le disque après, est-ce qu'on le paye moins cher que si on l'achète en grande surface ou chez Cultura ou à la FNAC et tout? Mais il m'a dit la chose suivante, il m'a dit, bah, écoutez, c'est exactement comme en agriculture. Hein, les circuits courts, le producteur qui vend sa production, eh ben dis-nous, c'est pareil, en fait. Puis après, il m'a dit, mais quand même,
Ça fait deux questions que vous me posez qui sont anormalement pertinentes. Donc, j'ai trouvé ça assez amusant. Donc, en fait, non, mais je me suis dit, ça fait plusieurs fois que j'achète, que je vais voir quelqu'un en concert et que j'achète le disque après le concert. Et je pense que c'est vraiment un excellent plan. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, pour les gens qui veulent acheter le disque, donc achetez-le plutôt en fin de concert, vous paierez quelques euros de moins. Ça, c'est la première chose. Et puis, vous pouvez acheter les disques qui ont précédé et moins cher encore. Donc là, j'ai payé 15 euros, si mes souvenirs sont bons, et les autres étaient à 10 euros. Voilà. Ce que je me dis, en fait, c'est que c'est intéressant d'acheter des produits, le peu de produits dérivés qu'il y ait, ou le disque, parce que c'est quand même le plus important, le disque ou le DVD du spectacle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on garde une trace matérielle d'un moment émotionnel qui a été très fort pendant la soirée du concert. Et en ce sens, je trouve que c'est quand même pas négligeable. C'est-à-dire qu'on retrouve, c'est un peu une sorte de madeleine, qu'on achète sa petite madeleine et puis on rentre avec sa petite madeleine de Proust, en fait. Pour ne pas dire la Madeleine de Proust, évidemment. Et ça, c'est un mot de pétomane, c'est autre chose. Mais moi, j'ai été sur le cul, quoi. Il y a des gens qui sont venus de l'Oise à Barentin. Ils venaient de l'Oise pour voir Amélie les Crayons à Barentin. Et, alors, elle avait une première partie, d'ailleurs, je n'ai pas eu son nom, qui était vachement bien aussi. Pas dégueu, comme on dit vulgairement. Ils avaient été choisis, hein, je trouve. Vraiment, hein. Bon, voilà, je reviendrai dessus probablement quand j'aurai réécouté le disque. Mais ouais, j'ai trouvé ça novateur, original, barré. Donc, vraiment au sens positif, quoi. Enfin, barré, c'est toujours positif pour moi, mais parce que tout ce qui est marginal, tout ce qui est un peu hors norme, c'est toujours interpellant. Intellectuellement et artistiquement, c'est toujours là que se trouve. C'est là que tu trouves le génie, mais on va perdre les mots. Mais c'est juste un moment formidable, quoi. Alors, c'est vrai que j'expliquais l'autre jour dans une vidéo au sujet de Stéphane Bern et du loto du patrimoine. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait un téléphone sonne et j'avais fait une vidéo sur le sujet. Et moi, s'il y a un truc qui m'a toujours fasciné, c'est les ponts, en fait. Les ponts sous toutes les formes. Ben oui, parce que par définition, oui, je reviens dans le disque de Morane, dans un des disques de Morane. Il y a une phrase où elle dit j'ai traversé les rivières sans avoir attendu les ponts. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et donc, justement, elle a un truc sur ce sujet aussi, quoi. Donc, pour cette raison, il faut aussi aller écouter. Mais ouais, au niveau du texte, c'est une qualité dingue, quoi. Déjà. Trop contente de la découverte. Non, mais je rigole parce qu'il y a des gens qui doivent se dire ouais, en fait, c'est comme une chanson française, ouais, d'accord. Mais. En fait, il ne connaît rien. Non, mais j'ai une culture musicale sur le patrimoine des 10 dernières années complètement en retard. Ça, j'en suis parfaitement consciente. Il n'y a aucun souci. On ne peut pas être partout, hein, tout simplement. Quand vous êtes sous curatelle, par définition, ou sous tutelle ou sous curatelle, vous avez des moyens limités. Ces moyens limités ne vous permettent pas d'aller au concert, point barre, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et puis, quand j'écoute un disque, je l'écoute, je ne l'entends pas. Ça, j'avais fait un mot là-dessus. Mais il y a eu quelque chose sur France Inter dernièrement, quelqu'un qui a parlé des critiques, mais alors je ne me souviens plus dans quelle émission, et il parlait des différents types de critiques, et c'était très interpellant parce que justement, il y avait les critiques qui étaient, même si elles n'étaient pas nécessairement positives, mais qui étaient constructives, et puis il y a des gens qui vont vous déglinguer pour rien. Mais ça, à mon avis, enfin, il n'y en a plus beaucoup. De ce type-là, il n'y en a plus beaucoup, parce qu'en général, j'ai fait le ménage depuis pas mal d'années. J'ai tellement bien déglingué. Enfin, je veux dire, le coup de l'artiste qui est frustré de ne pas être artiste, c'est pour ça que pour moi, c'est important de persévérer à peindre et de faire ce que j'ai vraiment envie. Parce que je veux pas avoir la moindre activité dans le domaine artistique qui serait le fruit d'une frustration. Parce que je ne suis pas méchante de nature et je n'ai aucune envie de le devenir. Et donc, pour que je ne le sois pas, il est important que je sois satisfaite artistiquement. Voilà, ça c'est dit. C'est ma fête, hein, donc j'ai le droit de lui faire des cadeaux aujourd'hui. Moi, je ne demande qu'à aller à des concerts. Hein. Mais il faut que je puisse me le permettre. Hier, je regardais le journal qui sort What's Up, qui est un journal culturel de tout ce qui se fait. Ça paraît tous les mois, tous les deux mois, je ne sais plus exactement. Bref,
Et je lisais, j'ai commencé à lire le préface, j'ai pas eu le temps de, parce qu'ils ont éteint la lumière, le concert commençait, donc j'ai pas pu lire la suite encore. Mais il y a 250 concerts, enfin je veux dire, il y a une pléthore de concerts sur une zone géographique donnée, et par définition, il faut bien faire ses choix. Voilà. Alors moi, je pense que quand on n'a pas tellement les moyens, on a tout à gagner à aller voir des gens qui ne sont pas encore très célèbres. Hein. Je suis désolée, je cherche pas à casser du bois sur les gens qui font Zénith nécessairement. D'ailleurs, j'espère qu'il y a des gens qui le feront bientôt. Mais je veux dire par là que ce qu'on va chercher quand on va à un concert, il est souhaitable d'aller chercher d'abord des émotions et d'abord quelque chose qui vous fasse avancer dans la vie. Hein. Et les gens qui vous font avancer dans la vie ne sont pas nécessairement les gens qui sont les plus célèbres. Ce sont au contraire des gens qui se battent chaque jour pour vivre de leur métier, pour vivre de leur activité artistique. Moi, par exemple, quand j'expose au Colombier. Mais moi, je ne suis pas professionnelle encore, mais quel que soit le secteur, je ne suis pas professionnelle. Mais il n'empêche que c'est quand même là que se trouve le bois vert à travailler pour arriver à tenir debout chaque jour, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez les gilets jaunes qui vont défiler. Vous avez des tas de gens aujourd'hui dans le milieu de la chanson ou de la littérature ou dans n'importe quel secteur qui vous parlent de la dignité humaine, qui vous racontent des histoires particulières de gens sur lesquels on n'aurait jamais braqué l'objectif, par exemple. Et en ce sens, c'est vraiment interpellant, quoi. Mais cette histoire de nana Superwoman qui est comme ça et toute petite et toute menue, j'ai trouvé ça délicieux, quoi. Délicieux et tellement intelligent comme réflexion, j'ai trouvé ça vraiment bien, quoi. Mais bon, il y a que ça qui m'a marqué ce matin, mais j'ai pas du tout écouté le disque encore, hein, donc je vais vous dire après, je reviendrai dessus. Alors elle m'a dit, j'ai pris une photo hier soir, je l'ai prise en photo. Je sais pas si je vais vous montrer la photo parce qu'elle est pas très bonne, parce qu'elle n'était pas prise dans des conditions idéales. Puis je suis pas encore très à l'aise avec mon appareil photo, mais elle m'a dit vous me l'enverrez la vidéo, mais du coup la vidéo étant là, mais c'est pas grave, quand je reparlerai du disque, j'enverrai à Amélie les crayons la vidéo, je la ferai non publique alors, et je lui enverrai, voilà, on va faire comme ça. Bon, sur ce, il faut que je mange, il faut que je termine d'aller poser des affiches, et je serai à 14h au Colombier, si vous voulez m'y retrouver.